nous sommes nés, Nascencia le mal. Nos créateurs nous ont raconté que nous étions le remède. Nos créateurs nous ont créés dans le but de repousser l'ombre qui envahissait leurs parcelles. Nos créateurs ont également décidé de nous cacher de nos véritables origines, de nous voiler la face. Mais avant cela, Nascencia était magnifique. Tout le monde vivait dans la paix et l'harmonie. Les ténèbres nous semblaient loin de nous, et nous n'y prêtions plus attention. Mais alors, le mal étendait ses ailes et obscurissait le ciel. L'ombre commençait son ascension. Nos créateurs nous disaient que nous étions la lueur, la lumière qui mettrait un terme à cette terre de terreur. Nos créateurs se servaient de nous comme des armes, dotées ni de conscience ni d'âme. Avaient-ils raison? Qui peut le savoir? Mais n'ayez crainte. Car maintenant, nous sommes arrivés à destination. Bien. Vous pouvez y aller. À ton tour, Nightil. Bon, je vous rappelle la mission. Identifier une substance suspecte apparue il y a peu de temps dans le secteur. Vaizen se chargera de l'analyser, tandis que nous devons le couvrir au cas où. Ça va être trop facile. C'est compris. Alors, c'est parti. Prêt. Prêt. Prête. Prêt. Que la mission commence. Toujours aucun résultat. Quoi? Substance inconnue? Mais comment? Il se passe rien ici. Et de ton côté, Hydraxon, quelque chose à signaler? Rien du tout. Le cœur de Nascentia est bien différent de ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est? Approche!
viens te battre. Dégage de là. Hydraxon, attention. Faites attention à vous, on va quand même réussir à les avoir. T'inquiète, je gère. Voilà. Vaizan, concentre-toi sur ton objectif. Goûte à mes lames. Tiens, ça t'apprendra. Tu m'en veux pas? Tu devrais mieux surveiller tes arrières. On échange? Avec plaisir. Oula. Toi! Laisse Nessie! Lève-toi, vite! Mon arme a besoin de se recharger avant de continuer le combat. J'arrive. Allons le faire retourner de là où il vient. Ouf, à ce rythme-là, je ne vais plus tenir très longtemps. Mais on redemande encore. On doit battre en retraite. Oui, nous ne sommes pas équipés pour affronter une bête de ce genre. Orphalia, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis épuisée, je dois battre en retraite. C'est vous les amis? On est encerclés, on ne peut rien faire. Mais j'ai un plan pour nous sauver. Rejoignez le véhicule, vite! Je vais éloigner les Rakas. Non! Je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser mourir ici. Il le faut! Ou c'est la fin pour nous tous. Hydraxon, j'espère te revoir un jour. Hey! Oui, vous enfin une créature! Venez voir par ici! Ils ont l'air d'avoir des ennuis. Pourquoi on laisse Hydraxon là-bas? Il va mourir! Il se sacrifie pour que nous puissions continuer de vivre. Faisons en sorte que ne ce soit pas en vain. Dépêche-toi! Grimpe! Hydraxon! Non. Je ne peux regarder ça plus longtemps. Démarre! On est enfin rentré. Je sais que c'est dur, mais il faut aller informer Taorak. Oui, tu as raison. Ensemble. Bonsoir, Taorak. Nous revoilà. Bien, bon, la mission s'est déroulée. Vous avez pu analyser cette énergie? Non. La mission est un désastre. Le meilleur soldat de Dacentia, Hydraxon, s'est sacrifié pour que nous puissions continuer de vivre. Il est mort. Mort! Par notre faute! Car nous sommes faibles, et nous n'avons rien pu faire face aux Rakas qui nous ont attaqués. Oh non. Bon, c'est bien la pire chose qui pourrait nous arriver. Néanmoins, il reste tout de même dans nos cœurs. Alors je t'en prie, Nessie, essaye de te contrôler. Tu n'es pas un soldat de Mesenta pour rien. Nessie, la perte d'Hydraxon est pour nous tous une perte horrible. Mais tu es le soldat le plus courageux que je connaisse. Et c'est ensemble que nous survivrons. Merci, Vaizan. Toujours aussi téméraire, même dans les pires moments. La perte d'Hydraxon est tout de même très grave pour Mesenta. Les sénateurs de la Sentia m'ont alors convoqué pour avoir un rapport de la mission. Je vais devoir me rendre au Sénat pour que le monde soit informé du décès de notre héros.
Protecteur, je vous laisse faire votre deuil. Vous êtes libre ce soir. Nous devons établir les douanes aux frontières. Cela nous permettra d'éviter les trafics et les contrebandes. Non, ceci est une mauvaise idée. Cela pourrait nous faire replonger dans une nouvelle crise économique. C'est vrai. On ne peut s'arrisquer à prendre un tel risque. Exact. Au contraire, Blonx a raison. Il vaut mieux faire baisser le taux de criminalité, ainsi que le taux de croissance pour trouver un équilibre. Quoi qu'il advienne, nous ne devons faire impasse sur aucune solution. Tiens, vous voilà, Tomorak. Sénateur, vous m'avez convoqué. Me voilà pour mon rapport de mission. Bien. Parle. Comment s'est-elle déroulée ? Mon meilleur élément a péri au cours de cette mission. C'est une bien triste nouvelle, en effet. Mais ce n'est pas le premier mort, et ce ne sera pas le dernier. Nous devons trouver une solution. Bien, si c'est ce que vous voulez. J'ai envoyé mes hommes dans le cœur de la Cynthia pour examiner une substance inconnue. Jusque-là, rien d'anormal. Mais des racas, des visites inoffensives, se sont soudainement pris à mon équipe. Voyant qu'ils n'arrivaient pas à faire face à ces bêtes sauvages, les hommes ont été contraints d'abandonner la mission. Pour permettre à ses coéquipiers de s'échapper, Ivaxon tenta de retenir la créature. Mais sa force et son courage n'ont pas permis de faire face à ces monstres. Nous n'avons pu récupérer aucune information sur cette mystérieuse substance violette. Et j'ai perdu mon plus brave soldat. Cette mission est un véritable échec. J'ai failli à ma tâche. Veuillez m'excuser. Quel désastre. Qu'allons-nous bien pouvoir faire ? Nous voilà face à un cas de figure compliqué. Effectivement. C'est simple. Nous n'avons qu'à renvoyer les protecteurs là-bas. Mieux armés. Et accompagnés d'autres soldats. Et que se passerait-il si les raillés étaient toujours là ? Et aussi plus nombreux ? Nous serions de nouveau obligés de subir des pertes. Il ne s'agit pas là d'une histoire d'armement ou de force numérique. Mes soldats sont traumatisés par la mort de leur camarade, de leur ami. Ils ne retourneront jamais là-bas. Ou sinon, nous n'avons qu'à mettre la zone sous quarantaine. Avec cette solution, nous éviterons un possible nouvel affrontement. Ha ha. Vous croyez que nous combattons un virus? Savez-vous à combien revient de mettre une zone en quarantaine? Beaucoup. Il nous faut une autre possibilité. Il suffit! Il nous faut impérativement trouver une solution qui garde en sécurité nos citoyens et qui permette à Taorak de remplir sa mission. Et ce n'est pas en procédant de cette manière que nous y arrivons. Je connais un combattant extrêmement expérimenté. Il peut faire face à toutes les éventualités, à toutes les situations. Même évoquer celle à l'instant. Il s'agit de Sonurak, le chasseur. Ce dénommé Sonurak ne pourra remplir son objectif seul, bien qu'il soit surentraîné. Ivaxon est mort. Alors qu'il représentait lui-même la force combinée de 5 soldats. S'il le faut, je peux envoyer un garde de mes troupes d'élite. Il couvrira ce Sonurak et l'aidera en combat en cas de besoin. Taorak, est-ce que cette option vous convient ? Absolument, je n'y vois aucun inconvénient. Mais ce n'est pas à moi de décider. C'est à vous, sénateur. Dans ce cas, procédons au vote immédiatement. Est-ce que l'option d'envoyer Sonurak accompagné d'un soldat d'élite afin de compléter la mission des protecteurs et de l'action vous convient ? Que les sénateurs consentant à cette solution lèvent la main sur le champ. Cette option me convient. Moi de même. Je vous suivrai dans cette décision. Comme toujours, c'est un... Pour moi aussi. Parfait. Le Sénat a pris sa décision. La séance est dès à présent levée. Taorak, vous êtes libéré. Faites votre deuil. Merci de m'avoir fourni votre aide. Je vous laisse faire affaire. À bientôt. J'ai un mauvais pressentiment. Je sens que quelque chose se cache, se prépare à attaquer. Là, dans les ténèbres, prêt à surgir. Tu dois avoir raison. Mais face à chaque menace qui se présentera, nous serons restés unis. C'est là notre but. Aucun de votre espèce ne survivra avec moi vivant.
vous n'êtes que des créatures infâmes et sans vie. Peu importe votre but, retournez d'où vous venez. Rien à signaler de mon côté. Je répète, rien à signaler. Mais qui est-ce ? Cible non repérée. Artagon, fais attention. Ne vous inquiétez pas, il n'a pas l'air de se préoccuper de nous. On dirait bien Aerofactory. Il n'a rien d'Aerofactory. Ça m'a tout l'air d'un nouveau prototype d'ARN Corp. J'en ai jamais vu de ce genre. Enfin bref, Artagon, peux-tu analyser l'endroit ? Oui, bien sûr, mon commandant. J'en ai déjà vu des énergies, mais alors celle-ci ne nous dit rien. Vous n'avez rien à faire là ! Toi, tu viens avec moi ! Je vais te montrer la puissance du cosmos ! Non. Il faut d'abord que je te règle ton compte. Essaye un peu de me résister. Tu ne sais pas qui je suis, ni d'où je viens. Je suis bien plus fort que je laisse paraître. Il est vraiment puissant. Mais quel est ce lieu étrange ? Oh, tu n'as pas besoin de le savoir. Parle à mon arc, Andrew. Oh, est-ce que je vous en fais le malin ? Je sais, j'ai toujours été... Comment dire ? Ah oui, plus fort que toi. Tu es bien arrogant pour un membre de ton espèce. Quoi ? Mais comment as-tu pu faire ça ? Ça non plus, tu n'as pas besoin de le savoir. Aïe. Même pas mal. C'est vrai ? Bien les chances là. Prépare tes dernières paroles. Rien à dire ? Tant mieux. Je n'ai jamais aimé les grands causeurs comme toi. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Cette personne, d'où vient-elle ? Qu'est-ce que le prototype fait encore là ? Démon de niveau inconnu détecté. Je n'en ai pas fini avec vous. Vous êtes désormais mes esclaves. Enclenchement du programme, obéissance à l'autorité d'un individu. Oui, maître. Destination atteinte. Oui, nous y sommes. Cela fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Le pouvoir sera bientôt entre mes mains. Général Tavrak, quel plaisir de vous rencontrer. Oh bonjour. Vous êtes Soniorak, c'est ça ? Et le soldat, Artagon, envoyé par Sylvester ? Oui, bien sûr. Et lui, qui est-ce ? On dirait une création de ARN Corp. Cible non détectée durant le trajet. Activation du radar aux alentours. Oui, bien sûr. Mais on l'a trouvé près des mystérieuses traces violettes. Il était inconscient. Bon, très bien. Vous pouvez partir. J'aimerais parler avec votre chef. Bon, Soniorak, j'ai besoin de votre aide. Je pense que vous savez pourquoi vous êtes venu ici. Alors j'aimerais que vous aidiez mes soldats à reprendre confiance en eux. En effet, depuis l'incident avec Draxon dans la forêt, les soldats ont peur d'agir. Ils ont peur de subir à nouveau des pertes. Pour refaire des missions avec eux. Bien sûr, je suis à votre service, dans votre quête effrénée. D'ailleurs, vous pouvez m'appeler Brutaka, je préfère ainsi. Brutaka ? Ce nom me dit quelque chose. Ne t'en fais pas, tu ne t'auras pas le temps de vous dire.
Riker non présent dans la zone. C'était un robot. Ah, bon, tant pis. J'ai toujours le troisième d'assaut sous mon contrôle. Que je puisse rejoindre TSC City pour me mettre à l'abri des raquettes. Ah, tu es encore là, toi. Lâche-moi. Ah, ça suffit. Tu vas découvrir la puissance de celui-là. Essaye toujours de venir me tuer. Tout ce déséquilibre, c'est à cause des Rhinecorp, de ces Hero Factory. Il me faut rejoindre le désert de TST City pour construire une base où tout le monde pourra venir se protéger de la véritable menace. L'intelligence artificielle n'a pas sa place ici. Bonjour, Taorak. Vous m'avez convoqué. Oui. J'aimerais savoir comment se passe l'émission avec les protecteurs. J'ai entendu dire que ça allait beaucoup mieux. Oh, eh bien, plutôt bien. Nous avons arrêté un gangster qui provenait de la parcelle d'Oberias. Très bien. Ça me rassure. D'ailleurs, en parlant d'Oberias, je me suis renseigné auprès d'un puissant informateur qui vient de là-bas au sujet de votre nom. Brutaka. Apparemment, il y aurait eu un Brutaka qui maîtrise une énergie appelée Cosmo, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression qu'elle ressemble beaucoup à la substance que les protecteurs ont essayé d'analyser le jour où Ivaxon a succombé. Ah, ça suffit! Oh, j'en étais sûr! Tu t'es caché depuis tout ce temps. Tu vas aller rejoindre tes semblables pour ce que tu as fait au protecteur. Tu en sais apparemment trop. Taorak, tu ne te bats pas pour une noble cause. Où es-tu? Tu veux te battre? Alors viens! Je suis le maître du Cosmo. Alors essaye toujours de me résister. Tu te crois puissant? Feras-tu face au seigneur du contour? Comment est-ce possible? Je suis le maître du contour. Tu ne te bats pas pour une noble cause. Rejoins la mienne. Rejoins ma cause. Rejoins le Cosmo et je t'offrirai son pouvoir. Et la domination. Nous sommes au-dessus de tel titan. Ensemble. Pour Arcados. À présent, nous allons refaire des missions. Mais ne mettons plus en prison nos victimes. Nous les tuons. Après avoir perdu notre ami, nous étions perdus. Nous avions peur et nous nous renfermions sur nous-mêmes. Et puis, tu es arrivé. Tu nous as montré, appris et encouragé. Ces actes, aujourd'hui,
me semble nécessaire. Merci de nous avoir ouvert les yeux, Utaka. Protecteur de Nascentia, demain aura lieu la plus grande mission à laquelle vous aurez eu à faire. Je vous conseille alors de bien vous préparer, aussi bien mentalement que physiquement. À demain. Dis, vous ne trouvez pas que Utaka avait l'air un peu bizarre ce soir ? C'est vrai qu'il paraissait violent. La mission de demain doit vraiment être importante. Oui, Orpalia, sûrement. Mais avec Taorak, nous sommes en sécurité. C'est triste d'être aussi naïf. Tout le monde est conscient au fond de lui que la fin arrive. Et pourtant, personne n'agit. Notre monde a besoin d'un chef. Et je suis prêt à le devenir. Par tous les moyens qui soient, il faut exterminer tous ceux qui sont au travers de notre chemin. Pour une meilleure justice. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Purifier notre belle capitale. Quoi ? Tu n'es pas sérieux ? Crois-tu qu'il mentirait ? Tu l'as très bien entendu. Maintenant, obéissez. Bon les gars, vous êtes prêts ? Oui. Oui. Je ne peux pas faire ça. C'est insensé. Pourquoi ? Non ! Arrêtez ! Nous n'avons pas à suivre obligatoirement l'opinion d'une seule et unique personne. Nous sommes libres de penser et d'agir comme bon nous semble. C'est ça la vie. Je vous ordonne de m'obéir. Maintenant ! En tant que maire de cette ville, c'est plutôt à moi de vous ordonner d'arrêter si vous souhaitez éviter les ennuis. Tu vois, ceci est le parfait exemple des décadences de notre parcelle. Elle sera notre première victime. Quelqu'un d'autre veut goûter à la puissance du Quantum. Sale monstre ! Tiens ! Fuyez la ville ! Vous êtes plus en sécurité ici. Courez le plus vite que vous pouvez. Maintenant ! Orpalia, ça va aller ? Il faut absolument que nous partions ici. Baizan ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le vaisseau ! Compris. Exil, monte, on doit y aller. Oui, j'y arrive tout de suite. Tu méritais même pas de vie. Je pense que nous avons fait. Oui, c'était notre devoir. Quoi ? Les protecteurs, rattrapez-les. Dangereux.
rejoignent la ville la plus proche. Orpalia dans un état critique. Regarde, on arrive à TSC City. J'espère qu'on trouvera de quoi la soigner. Quoi ? Étranger, vous semblez perdu. Puis-je vous aider ? Bonjour. Notre ami a été grièvement blessé en fuyant Omecenta City et Taorak. Pouvez-vous l'aider ? J'irai voir ce que je peux faire. Son cœur bat toujours, mais ta liaison risque de l'entranspercer à tout moment. Il faut l'opérer. Mais vous n'avez pas les moyens de l'opérer ici. Comment comptez-vous procéder ? Je connais un endroit où on a une chance de la sauver. Mais où ? Il faut se dépêcher ou elle va mourir ! N'ayez aucune crainte. Votre ami va être sauvé. Cachez-vous les yeux. Très intéressant. Waouh, mais où est-ce qu'on est ? C'est immense ici. C'est vrai, ça. Où sommes-nous ? Quel est cet endroit ? Bienvenue dans la Résistance, Protecteur. On a une blessée grave avec nous. Qu'un médecin s'occupe d'elle. Son état est critique. Vite ! J'arrive. Je m'occupe d'elle. Elle sera en priorité. Soyez sans crainte. Merci. Nous pouvons compter sur vous. J'espère qu'elle s'en remettra vite. Bien. Je dois aller continuer ma garde à la surface. Et visiter notre belle base. Ici, vous êtes en sécurité. Croyez-moi. Bon bah, on y va ? Que veux-tu qu'on fasse de toute façon ? Nous ne connaissons personne ici. Protecteur, je suis le sénateur Sadovix, et je vous présente mon fidèle ami. Enchanté, je me nomme Silaris. Nous avons beaucoup entendu parler de vous ici, ces derniers temps, vous savez. Mais, quelqu'un veut vous parler au premier étage. Empruntez cet ascenseur. N'ayez crainte, cette personne n'est autre que le chef de la Résistance. Bon bah, on y va ? Oui, je pense qu'ici, rien ne peut nous arriver à présent. Allons-y. Bon, d'accord. Ce personnage va sûrement vous faire penser à quelqu'un. Vous verrez, c'est une très bonne personne. Nous y voilà déjà. Allez-y, je vous en prie. Non, tu ne tiens pas ton arme assez haute. Ici. Voilà, très bien. Oh ! Mais qui voilà ? Toi ? Pourquoi ? Pourquoi faire semblant de mourir ? Tu vas mourir ! Maxan, que fais-tu ? Je t'empêche de faire une grosse bêtise. Écoute au moins ce qu'Edraxon a à dire pour sa défense. Merci de ton bon sens, Vaizan. Je vais tout vous expliquer. Quelques minutes après votre départ dans le véhicule. À seulement deux doigts de la mort, les Raka ont soudainement repris leur comportement normal. Comme s'ils cherchaient simplement à nous empêcher d'analyser cette substance. Mais ils avaient oublié une chose. Ils ont oublié de me tuer. J'ai donc rejoint la ville la plus proche, entraînant mon corps à l'agonie. Conscient de la menace mystérieuse qui planait au-dessus de nous, j'ai donc décidé de créer cette base qui se situait à un ancien emplacement d'une base Zero Factory. Voilà. Vous savez tout désormais. Bien. Tu n'es pas un faux Hydraxon. Content de te revoir en vie, mon ami. Désolé pour ce que je viens de faire, Hydraxon. J'ai perdu le contrôle. Mais nous devons riposter contre Taorak. Et organiser nos défenses. Oui, je suis au courant de ce qui se passe aux alentours. Les nouvelles recrues sont arrivées à bout de leur formation. Je vous laisse cette salle à disposition. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Hé, vous devriez redescendre. Votre ami est sûrement remis sur pied maintenant. Allons-y. Le contrôle moteur de vos jambes ne s'est pas encore entièrement rétabli. Il va falloir patienter encore un peu avant de pouvoir remarcher comme avant. Orpalia, quel plaisir de te voir. Hydraxon ? De quoi es-tu fait, créature des enfers ? Tu ne mérites pas de vivre. Qui est là ? Je vois que tu es toujours fidèle à ton poste. Moudia.
Cela fait bien longtemps que tu n'es pas venu dans le cœur de Nascentia. Je sais pourquoi tu viens. Peu importe. Notre monde se meurt. Et il est temps de le sortir de cette ombre. Tu es sérieux? Nous ne savons même pas combien d'entre nous sont encore vivants. Quelque chose arrive. Je le sens. Il est temps de réveiller les chasseurs qui sont en nous. Et d'appeler nos camarades. Tu as raison. Il est temps pour les chasseurs de démons de jouer pour vous. Bonjour, monsieur. Une pièce en particulier vous intéresse? Celle-là. Celle-ci? Exactement. Tenez, voilà pour vous. Merci, au revoir. Vous n'aurez pas d'autre armure rouge pour moi? J'ai déjà procuré un masque de Riker, ça ne te suffit pas? Eh bien, tu pourrais me raconter ce qui est arrivé à Hydraxon jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît? Enfin, tu vois bien que je travaille. Ok, j'y vais. Bon, voici votre nouvelle jambe. Êtes-vous prêt pour la fixation? Oui. Bien, allons-y. Maintenant que la jambe est fixée, passons à la soudure. Ça risque de piquer un peu. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui est arrivé à Hydraxon? C'est encore un peu flou pour moi. Pourquoi tu l'aurais pas remarqué? Je suis un peu occupé. Tu n'as qu'à aller demander à Hydraxon, tiens. Ça va, j'ai compris, j'y vais. Tiens, Palia. Tu veux bien me raconter ce qui t'est arrivé depuis la mission dans la forêt pour que je puisse comprendre? J'adore raconter cette histoire. Tout commence à... Il nous faut une arme. Quelque chose qui surprendra Taura. Quelque chose d'aussi puissant que l'Hero Factory. Mais oui, la réponse était là, sous mes yeux. Ah, cette voix! C'est bon, Vizan. Prends une pause. Tu as bien travaillé. Mais où va-t-il? Hey, attends! J'ai pas terminé. Incroyable. Hein? Qui est là? Ah, ouf, ce n'est que toi. Oui, c'est moi, mais qu'est-ce que c'est que ces plans? Une arme qui saura nous sauver. Ah, voleur! Voleur! Vous êtes là pour me voler mes plans. Espion de Taurac! Traître! Stop, Neysil, c'est nous. Nous sommes de ton côté, et nous ne voulons pas te voler tes plans. Ressaisis-toi. Oh, Orpalia? Désolé. Ces plans sont bien trop précieux. Et s'il venait à tomber entre de mauvaises mains, nous n'aurions plus longtemps à vivre. C'est pour ça que j'ai réagi de cette façon. Ce n'est rien, mais fais plus attention la prochaine fois. Excuse-moi. Allez, debout. Merci. Et au fait, j'ai jeté un coup d'œil à tes plans. C'est vraiment une très bonne idée. Si tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Moi aussi, je le peux. C'est vrai? Vraiment? Super. Grâce à vous, nous avancerons encore plus vite. Je vais avoir besoin de plus de pièces possibles. Vous pouvez me ramener? Oui, bien sûr. J'y vais maintenant. Alors, c'est parti. Je viens avec toi. Celle-ci. Et puis, celle-là aussi. Voilà, merci. Bon bah, Korgoth, je t'attends là-haut, hein. On a tous les mêmes, décidément. Ok, attaquons le premier test. Prêt? Oui. Bien, commençons. Bon, la machine fonctionne, mais manque de précision. Faut que j'améliore tout ça. Merci pour ton aide. Bravo! Magnifique! Vaizan? Et où sont les pièces que je t'ai demandé d'apporter? Oh, juste ici. Merci au macho de m'avoir laissé tout porter. C'est un honneur. Bon, on en rediscutera. Tu peux y aller. Il te reste encore un bras à te faire baffer. Oui, merci. Bon, maintenant, terminons cette machine. Oui! 3, 2, 1, activation. Mouah! Aouh! Ouh, ma tête! Activation! Non, pas encore! Oui, ça fonctionne! Attention à toi! Victoire! Là, je pense qu'on peut dire qu'on a vraiment bien travaillé. Oui, c'est clair! Mais sans vous, ça n'aurait pas été possible, vous savez. Oh, Hydraxon! Mais que fais-tu là? J'ai eu vendu votre projet par le biais de Vaizan, et il m'a apporté du plan. Je me suis procuré toutes les pièces nécessaires auprès d'un contrebandier, et les voilà pour vous. Waouh! Tu es vraiment efficace. Merci infiniment à toi pour tous tes services. Oh, tu sais, ce n'est qu'un service. Et si c'est nécessaire pour gagner cette guerre, alors oui. Bien. Je dois rejoindre les sénateurs en bas. Bonne construction. Franchement, Hydraxon est encore plus sympa qu'avant. Et il est vraiment déterminé à gagner contre Taurac. Oui, peut-être
un peu trop. Il faudra faire attention à ses agissements. Il se pourrait qu'il veuille prendre le contrôle si jamais on gagne contre Taorak. Vaizan, descends d'ici, tu vas te blesser. Non, l'ancienne offensive ne pourra que motiver l'ennemi à nous attaquer. Certes, ils n'ont pas encore trouvé la base, mais nous ne sommes jamais à l'abri d'un traître ou autre chose. Oui, je comprends très bien. La situation doit changer. L'intelligence artificielle n'a pas sa place dans notre monde. Et notre espèce doit refaire surface pour prouver que nous méritons tout autant de vivre que n'importe qui. Nous sommes l'espèce la plus puissante. Nous sommes les démons. Oui, ensemble, nous reprendrons notre place qui nous a été arrachée. Et nous exterminerons ces êtres qui ne posaient pas d'armes. Ces Zero Factory. Pour poursuivre notre reconquête, après avoir détruit Omecenta City, nous devons détruire Elor City et TSC City. Toi, Zaktan, et ton bataillon, vous vous dirigez vers le désert de TSC City. Nous avons un espion qui nous informait que beaucoup de réfugiés se protégeaient de nos attaques là-bas. Quant à toi, Vezok, tu te dirigeras vers Elor City. Mais Kanokon doit avoir déjà réuni ses troupes pour se préparer à la bataille. Alors faites bien attention. À vos ordres. Bien sûr, maître. Le réserve pour surprise. Ne faillis pas à ta tâche. Le destin de ta parcelle repose sur toi. Exterminer tous ceux qui sont à travers notre route. Il ne se passe vraiment rien d'intéressant ici. Quoi ? Ah ! Qu'est-ce que... Ah ! Emmène-moi à la base, ou tu mourras. Jamais. Nyaah ! Premier avertissement. Tu ferais bien de réfléchir à ce que tu vas faire. Copie la tête. Ah, l'affaire. Écoutons plutôt ce que Zaktan a à nous dire. Je compte jusqu'à 1, 2, non. Et... Tenez, voilà le gadget qui vous mènera à la base. Bien. Finalement, tu sais utiliser ta tête. Soldat, vous connaissez les ordres du chef. Pas de quartier. Et voilà, ils arrivent. Je n'ai rien pu faire pour les arrêter. Les soldats de Taorak sont là. Quoi? C'est impossible. Bonsoir. Pardonnez-nous cet imprévu. Il y a un traître parmi nous. Protégez-vous derrière moi. Je m'occupe de lui. Notre taupe nous a informé que ceux qui ont trahi Taorak sont au sous-sol. Va t'occuper d'eux avec Jetbug. Toi, retourne avec tes semblables. Mais c'était quoi ce grondement ? Quoi ? Des démons ? Oh non, ils ont trouvé l'emplacement de la base. Ils sont là pour tout détruire. On dirait que vous ne attendiez pas à notre petite visite ! Ah ! Il est rapide ! Éloigne-toi de lui ! Je vais plus résister longtemps ! C'est ça, oui ! Cède devant nous ! Crains-nous ! Meurs pour nous ! C'est toi qui devrais nous craindre ! Oh, on dirait que tu viens de me sauver la vie. Oui, encore une fois. Allez, viens. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Oh, raté. Dommage. Haha, sortez de cette base. Maintenant, vous n'avez rien à y faire. J'en doute fort. Ça craint pour Nessil. Attends, je vais l'aider. Tu crois que tu vas me blesser avec ça? Bah ouais. Surprise! Nessil, il faut envoyer la construction! Tu es fou! La machine n'est pas encore en point! Orpalia, utilise la télécommande et envoie la construction, ou on va y passer! Quoi? Tu penses que je... devrais? Wow! C'est pas vrai! Je te bats plutôt bien! J'aime ça! Montre-moi plus. En tant que Nebula, crois-moi, j'ai vu bien pire. Alors, t'en peux déjà plus ? Il en va sortir. Aïe ! Finalement, tu n'es qu'un lâche. Pas aussi lâche que toi,
qui décide déjà de t'enterrer dans cette misérable base. Mais qu'est-ce qui se passe à l'étage? Hein? Sauve-nous! Notre vie à tous est entre tes mains! Ne fais pas ça, je t'en supplie. On risque de tout devoir recommencer à zéro. C'est à moi que revient ce choix, et je décide de sauver mes amis. Non! Orpalia, arrête ça! Maintenant, nous sommes là. Tant que tu aies pu venir, Xidem. Tu veux quoi ? Écoute, une guerre se prépare, et j'ai besoin de toi. Rien à foutre. Tu nous as tous abandonnés et trahis. On était seuls. Le groupe s'est dissous pendant que toi t'étais tranquillement assis au Sénat. J'ai une nouvelle vie, une vie meilleure. Je vis à Elor City, là-bas j'ai des amis. Alors, ta guerre, je veux pas que tu m'en mêles. Sinon, je te tuerai. Écoute, je m'en fous! Tu étais où tout ce temps? Tu étais où depuis que Dranoka est morte? Comme tu veux. J'ai quand même été content de te revoir, mon ami. Oh.
fils. Au jour de ta naissance, même le cœur de la Sentia a murmuré ton nom. Nehem.